Corsicatrie, bonjour. Le téléphone ne cesse de sonner dans cette toute nouvelle start-up de réservation de voyage. Quelle destination vous intéresse, madame ? Au bout du fil, des utilisateurs désorientés par ce nouveau concept. Des billets d'avion de la compagnie Air Corsica aux enchères, 500 d'entre eux sont proposés chaque semaine. Le client s'inscrit à une vente pour 1 euro, puis enchérit dans l'espoir d'emporter la mise. Ils font des bonnes affaires en jouant. Ça leur permet aussi de déterminer un budget, à ne pas dépasser. C'est-à-dire que le but, c'est de faire une affaire. Donc on sait très bien que les gens ne vont pas surenchérir, que ça ne va pas exploser les compteurs. Des billets d'avion à moitié prix, voire encore moins cher. Une première pour Air Corsica, qui souhaitait davantage remplir certains vols. Pour la start-up insulaire, l'objectif est avant tout de promouvoir la région. La démarche va dans les deux sens. C'est que ça permet donc aux insulaires, par rapport aux billets d'avion, de pouvoir se rendre sur le continent à moindre frais. Et donc aux continentaux, de pouvoir venir en Corse à tout moment de l'année. Et avec ces produits très attractifs, que ce soit les billets d'avion ou des chambres d'hôtel à tarifs très avantageux, évidemment, on pense susciter l'intérêt afin que la Corse puisse en bénéficier en général. Pour les hôteliers, très séduits par le concept, une chambre louée moins chère vaut mieux qu'une chambre vide. Les clients pourront aussi miser sur des hébergements. Une petite dizaine d'hôteliers leur font déjà confiance. Ça nous fait connaître un peu de partout. Donc déjà, on se fait connaître et après, ça peut faire venir du monde en avant, en arrière saison. Parce que si pour faire venir du monde juillet-août, c'est pas tellement intéressant. Corsica Trip souhaite aider les professionnels du tourisme insulaire contre les sites de réservation concurrents.